Alors, bienvenue aux formations solidaires de Québec solidaire, qui va aujourd'hui, ce soir, porter sur la dette publique, la crise de la dette publique. À notre époque, la dette publique est souvent considérée comme, si on veut, l'argument central du néolibéralisme et de la droite économique, en fait. On utilise le problème de la dette publique pour justifier toutes sortes de mesures, que ce soit la fameuse réingénierie de l'État, les coupures dans les politiques sociales, le déficit, etc. Et donc, c'est très important, je pense, pour Québec solidaire, puis pour la gauche en général au Québec, de démystifier le problème de la dette publique. Et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir avec deux conférenciers et une conférencière, qui vont pour nous aider un peu à comprendre les enjeux qui tournent autour de la dette publique, que ce soit au niveau plus international ou plus particulièrement ici au Québec. Alors, on va commencer tout d'abord par la présentation de M. Claude Vaillancourt, qui est juste à ma droite ici. M. Vaillancourt est président d'ATAC, l'association pour la taxe pour les transactions financières pour l'aide aux citoyens. Voilà. M. Vaillancourt donc travaille principalement sur la finance, mais d'un point de vue plus citoyen, peut-être moins économique et conventionnel, comme on est habitué de le voir en général à ce sujet-là. Il est aussi collaborateur au journal À bas bord et il est blogueur sur le site d'Alternative. Ensuite, on va passer à la conférence de Evelyne Couturier, qui est juste ici, qui est chercheure à l'IRIS. Elle a une formation en sciences politiques et elle a travaillé sur une variété de sujets, que ce soit l'aide sociale, les inégalités économiques et, bien sûr, aussi la dette publique. Donc, ensuite, elle va nous parler de la dette publique plus au niveau du Québec. Donc, je vais tout de suite céder la parole à M. Vaillancourt et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier Québec solidaire de cette invitation. Je pense que vous faites un excellent travail comme parti politique, un travail qui est absolument nécessaire. Et je pense qu'une réflexion sur la dette est une réflexion fondamentale, comme on vient si bien de le dire. Hein, parce que, effectivement, sur le dos de la dette, on peut tout mettre sur le dos de la dette. Alors, en fait, une dette élevée, c'est quelque chose qui est tout à fait idéal pour soumettre un pays ou pour soumettre une population. Alors, comme un individu endetté est vraiment soumis à son débiteur, un pays endetté est autant soumis aux personnes à qui il doit de l'argent. Et ça pose vraiment plusieurs problèmes au niveau national, au niveau international. Donc, un pays endetté, c'est un pays qui est soumis. Et derrière cette idée de la dette, il y a vraiment une idée de culpabilité. Si, par exemple, vous vous endettez, bien, c'est votre faute, vous n'avez pas su gérer votre budget, alors vous devez personnellement assumer les conséquences de votre endettement. Bien, c'est considéré un petit peu la même chose pour un pays. Si un pays est endetté, c'est donc qu'il n'y a pas eu des bonnes politiques, c'est donc qu'il a trop dépensé pour des choses qui sont frivoles, comme par exemple la santé, l'éducation, et pour ça, eh bien, on doit le punir. Et c'est exactement ce qu'on essaie de nous dire. Hein, au Québec, on nous montre un chiffre de l'endettement qui est extrêmement élevé, on nous dit que c'est notre faute, on a trop dépensé. Hein, mais là, bien sûr, il faut comme réfléchir sur cette façon de voir la dette, cette façon de comprendre la dette, et surtout de voir comment la dette est utilisée à l'avantage de certains financiers, de certains politiciens, de certains idéologues aussi, pour transformer une société et, de manière plus large, pour transformer le monde en général. Alors, la question de la dette est devenue comme flagrante, c'est-à-dire qu'à toutes les époques, on s'est servi de la dette pour soumettre les peuples, pour soumettre les gouvernements, mais disons que la question est devenue particulièrement importante, je dirais, dans les années 80-90. Que s'est-il passé dans ces années-là? Eh bien, c'est les pays du Sud, principalement, donc pays d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, certains pays d'Asie, qui se sont endettés. Les raisons d'endettement sont assez complexes. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer, mais peut-être qu'on pourra revenir là-dessus.
Mais ces pays endettés, alors qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé de rembourser. Et pour rembourser, comment est-ce qu'on a fait? Bien là, on va se servir de deux institutions internationales, le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, qui ont eu comme mission de prêter de l'argent à ces pays-là pour qu'ils remboursent la dette. Hein, vous suivez? On prête de l'argent pour qu'ils remboursent. Alors, en prêtant de l'argent, on va leur imposer des conditions. Hein, ces conditions, ça s'est appelé les plans d'ajustement structurel. Et ces plans d'ajustement structurel, ben, ça consistait ni plus ni moins qu'à affaiblir les États. Alors, dans les plans d'ajustement structurel, on imposait, par exemple, la privatisation des services publics le plus largement possible, des coupes systématiques dans tout ce qui était subventionné par l'État. On a imposé des déréglementations massives et on a favorisé aussi une économie basée sur l'exportation. Donc, il fallait exporter des choses plutôt que fournir des choses dont le peuple avait besoin. Pourquoi? Parce que l'exportation, ça amenait des devises étrangères. Les devises étrangères, on s'en servait pour rembourser la dette. Hein? Donc, vous voyez, c'est une espèce de priorité absolue le remboursement de la dette. Alors, ces mesures du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont révélées catastrophiques, hein, ni plus ni moins que catastrophiques. Ça a causé de la douleur chez les peuples, ça a causé de la misère, ça a causé de la pauvreté, des maladies. Bref, c'est vraiment le bilan, là. Il n'y a strictement rien de bon à tirer du bilan des plans d'ajustement structurel. Et d'ailleurs, ça a été tellement catastrophique qu'autour de l'an 2000, donc les années qui ont suivi l'année 2000, le FMI s'est trouvé dans une situation de crise, littéralement. Pourquoi une situation de crise? Parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait emprunter au Fonds monétaire international. C'est bien normal, ça mène à la catastrophe. Donc, on n'emprunte pas. Et ça a bien tombé parce qu'il y a eu des nouveaux débiteurs qui sont apparus, dont la Chine, par exemple, qui, eux, prêtaient de l'argent sans imposer des conditions. Donc, le Fonds monétaire se trouve dans une situation de crise profonde, et on s'est même interrogé sur la survie de cette grande organisation internationale. Or, est arrivée la crise de 2008. Hein, les banques s'effondrent et les États vont sortir des milliers de milliards de dollars pour permettre aux banques de s'en sortir. Alors, le résultat de ça, c'est que là, cette fois-ci, ce n'est plus les pays du Sud qui sont endettés, mais bel et bien les pays du Nord. Et là, ce qu'on va faire pour ça, eh bien, on va se retrouver dans une situation où les pays du Nord sont endettés, et je dirais même qu'ils sont plus endettés que les pays du Sud. Ce qu'on va faire, donc, on va relancer cette organisation, le Fonds monétaire international. C'est pas la seule, mais c'est intéressant de voir que le lendemain de la crise, donc en 2009, au sommet du G20 à Londres, qu'est-ce qu'on va faire? On va tripler les montants attribués au Fonds monétaire international. On va leur donner 750 milliards de dollars pour qu'ils pourront prêter aux États endettés pour qu'ils remboursent leurs dettes. Et le Fonds monétaire international n'a absolument rien retenu des leçons leçons du passé. C'est qu'il va appliquer exactement les mêmes mesures. Donc, des plans d'austérité, ils sont tout à fait semblables à ce qui était dans le Sud. Donc, les plans d'ajustement structurel vont passer du Sud au Nord. Hein, et on va se retrouver dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, même la France, et pourquoi pas le Québec, hein, avoir des mesures d'austérité qui sont vraiment équivalentes à celles qui ont écrasé et qui ont détruit des pays du Sud. Alors voilà la situation où on se trouve maintenant et voilà où ça peut mener la dette. Alors la question qu'on peut poser, une question qui est fondamentale, alors c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisation citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant que parti politique devant cette nécessité absolue de rembourser la dette. Je pense qu'on n'est pas obligé d'admettre ça comme une espèce de facilité. Eh bien, la chose à faire, finalement, c'est quelque chose d'assez simple et complexe à la fois, qui a été fait dans plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle la vérification citoyenne de la dette. Ou, si vous aimez mieux, vos amis européens, français, utilisent un mot anglais, c'est l'audit de la dette. Hein? Alors, l'audit de la dette, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est simplement, ça se dit, mais c'est quoi la dette? Alors, on nous dit qu'on a tant de milliards à rembourser. Oui, mais c'est quoi ces milliards? C'est présenté comme une espèce de trou noir, une nécessité absolue. Il faut rembourser, mais il faut rembourser quoi exactement? Donc, une vérification citoyenne de la dette, ce que ça permet de faire, c'est de comprendre ce que c'est que la dette.
Et une fois qu'on la comprend, bien, on la voit d'une manière complètement différente et ça a des effets sur toutes les décisions économiques qu'on va prendre. Donc, comprendre la dette, ça veut dire quoi? À qui on doit? Est-ce qu'on doit, par exemple, aux citoyens du Québec, aux Canadiens, donc à des gens du pays, ou on doit à l'étranger? On va voir, ça a des conséquences vraiment très, très fortes si on doit à l'un ou à l'autre. Combien on doit exactement? Si vous regardez là, les différents experts, selon ce qu'on calcule, bien, le montant de la dette varie beaucoup en fonction des interlocuteurs. Mais c'est quoi notre montant de la dette? Et qu'est-ce qui est vraiment de la dette? Hein? Alors ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Autre question qu'il faut se poser, c'est dans quelles circonstances ont été effectués les prêts? Hein? On les a fait comment, pourquoi? À quel taux d'intérêt? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on a payé des intérêts qui sont normaux, les ceux du marché, ou on a payé des taux d'intérêt qui seraient un petit peu plus élevés pour plaire aux amis des banques, par exemple? Hein? Donc, ça aussi, c'est à découvrir. Et aussi, on a fait quoi avec l'argent de la dette? Hein? On a fait quoi avec l'argent qu'on a emprunté? Alors, tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes. Alors, on se rend compte souvent, quand on examine la dette aussi, que cette dette-là, on n'est pas obligé de la payer. Hein? Il peut y avoir des dettes qu'on n'est pas obligé de la payer. Et même en droit international, il y a une notion qu'on appelle la notion de dette odieuse. Bien, en droit international, on nous dit que la dette odieuse, on n'a pas à la payer. Alors, qu'est-ce que c'est que la dette odieuse? Je vous donne la définition. C'est une dette contractée par un régime et qui sert à financer des actions contre l'intérêt des citoyens, de l'État, et dont les créanciers avaient connaissance. C'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent à un dictateur qui achète des armes pour réprimer son peuple et qui se bâtit une espèce de château là, complètement luxueux, alors ça, c'est une dette odieuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de rembourser cette dette-là. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tellement le Québec, parce que, à ce que je sache, on n'a quand même pas vécu dans une dictature. Mais il y a une autre notion qui, cette fois-ci, n'est pas reconnue en droit international, mais qui peut quand même drôlement servir lorsqu'on examine, justement, qu'est-ce que c'est que la nature de cette dette. C'est la notion de dette illégitime. Alors, qu'est-ce que c'est que la dette illégitime? Définition, les dettes illégitimes sont contractées en violation du droit, et où les dettes légitimes n'ont pas bénéficié à la population. Alors ça, on peut se dire, regardez, cette dette-là, là, c'est pas une bonne dette. Alors on pourrait, en toute légitimité, justement, décider de ne pas la payer. Et ça, ce qui est intéressant, c'est arrivé à un pays. Il y a un pays qui a été assez exemplaire là-dessus. C'est un petit pays en Amérique du Sud qui s'appelle l'Équateur. Alors quand Correa a pris le pouvoir, eh bien, le pays était écrasé, comme bien des pays d'Amérique du Sud, par une dette gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'a décidé de faire le président Correa? Eh bien, de faire une vérification de la dette. On va regarder qu'est-ce que c'est que cette dette-là de l'Équateur. Alors, on va constater que de nombreux prêts ont été accordés en violation des règles élémentaires. Donc, c'est des prêts qu'on ne reconnaît pas parce qu'ils n'ont pas été faits selon des circonstances qui sont acceptables. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Eh bien, il a décidé de suspendre le remboursement de la dette. Hein, et quelle partie de la dette il ne payera pas? C'est la dette qui est en titre. Hein, ça, c'est très important. C'est une notion qui est très importante. C'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire qu'une partie de la dette peut être sous forme de titres qui sont vendus à l'étranger. Donc, on achète, comme moi, je pourrais acheter la dette de la Grèce. Hein, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec la dette de la Grèce? Je vais me faire de l'argent avec. Parce que quand même, les Grecs vont finir par rembourser grâce au Fonds monétaire international. Et comme c'est très risqué, ben, les revenus sont très, très hauts. Hein? Alors donc, je peux aussi spéculer sur la dette de la Grèce à la hausse, à la baisse. Hein? Et ça, finalement, c'est les Grecs qui vont payer. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les Grecs, vous le savez, sont des paresseux. Hein? Ils n'ont pas fait attention. C'est tant pis pour eux, ils sont endettés. Donc, l'Équateur, toute cette dette-là qui s'est en titre à l'étranger, eh bien, les Équatoriens, ils ont dit, on ne la paye plus. Hein? C'est fini, on ne la paye pas. On suspend ça, là, à vitam terme éternel. Et là, qu'est-ce que c'est que ça a été les réactions des marchés financiers? Ça a été une réaction de panique. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec des titres qui ne rapporteront pas parce que le gouvernement de l'Équateur ne remboursera pas sa dette? Alors, ça a fait chuter la valeur des titres de la dette de l'Équateur. Et qu'est-ce que fait le gouvernement?
eh bien, il a racheté les titres de sa dette qui ne valaient plus rien. Hein? Alors, regardez, il a racheté pour 1 milliard des titres de la dette qui en valaient 3,2. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Et ça a eu comme conséquence que avant, hein, les dépenses sociales, c'était 60% du montant consacré au remboursement de la dette. En d'autres mots, le montant qui était consacré à la dette était plus élevé que le montant des dépenses sociales. Et que s'est-il passé après? Bien, après, c'était le montant, c'est passé à 300%. Ça veut dire que là, le montant de la dette était beaucoup moins, le montant consacré au remboursement de la dette était beaucoup moins que le mouvement des dépenses sociales. Donc, ça fait ça. Ça, c'est la dette, ça, c'est les dépenses sociales, puis après, bien, ça a fait ça. Hein? Vraiment beaucoup plus élevé les dépenses sociales que les dépenses consacrées à la dette. Là, vous allez me dire, oui, mais l'Équateur, hein, c'est un petit pays, c'est un pays du Sud, c'est pas la même chose qu'ici, ils ont eu une dictature, c'est vrai. Hein? Mais sauf que cette idée de vérification citoyenne de la dette, elle a énormément cheminé. Et nos camarades, par exemple, l'association dont je suis parti, ATTAC, c'est une association internationale, et c'est une association qui est très forte, par exemple, en France, et nos camarades d'ATTAC France en font vraiment une priorité. Une de leurs premières campagnes, hein, demande d'examiner la dette de la France, parce que la France est très endettée, et la France aussi, elle est très endettée à l'étranger, donc c'est quand même assez inquiétant, et on veut savoir qu'est-ce que c'est. Hein, et on souhaite bonne chance à nos camarades français pour pouvoir essayer de comprendre notre dette. Alors, qu'en est-il pour le Québec? Eh bien, d'abord, c'est peut-être qu'Evelyne va nous éclairer là-dessus, mais quand même, d'après les humbles de recherche, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a très peu d'informations sur la nature de la dette québécoise et canadienne. C'est pas quelque chose qui circule, c'est pas quelque chose dont on parle. Hein? On a beaucoup intérêt à nous montrer une espèce de grand trou noir, des milliards, des milliards, des milliards de dollars. Vite, 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 faut rembourser, hein? Sans comprendre. Donc, d'une part, il y a ça, et il y a même une campagne de nos amis de l'Institut économique de Montréal, hein, pour nous alerter et nous faire peur avec la dette. Si vous allez sur leur site, c'est très intéressant, vous avez un petit tableau, hein, avec la dette, et là, c'est des chiffres qui défilent à une vitesse vertigineuse. Ça, c'est la dette du Québec qui augmente, qui augmente. Hein? Alors, vraiment, si vous ne sortez pas complètement paniqué de là, puis prêt à rembourser, en tout sortir un 20$ de votre poche pour au moins soulager un peu, ben, vous n'êtes pas très, très normal. Hein? Donc, tout ça pour dire que c'est sûr qu'au Québec, il y a quand même des gens qui ont tout à fait intérêt à faire peur aux gens, à créer, en tout cas, un sentiment d'insécurité face à une dette qui est quand même très, très élevée. Alors, une notion très, très importante lorsqu'on parle de la dette québécoise et de la dette canadienne, hein, c'est cette question « à qui on doit ?». Et là, on parle de la dette intérieure. La dette intérieure, ça veut dire c'est de l'argent que nous devons à nous-mêmes, que nous devons aux Québécois. Alors, c'est une dette qui est faite sous forme d'obligation, financée largement par les économies de la population. Eh bien, ça, c'est une dette qui n'est pas dérangeante. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous, en tant que citoyens qui plaçons comme ça de l'argent dans les obligations, on n'a pas un besoin de liquidité. Hein? On ne fait pas ça pour retirer, pour faire de l'argent vite. On fait ça pour assurer nos vieux jours, pour faire un placement sûr. Hein? Et on n'a pas cette tendance à vouloir retirer de l'argent très, très rapidement, vite, 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 le plus vite possible. Et aussi, on ne va pas non plus spéculer avec notre dette. Hein? C'est ça qui est très dommageable pour une dette. C'est quand on se met à spéculer sur la dette. On ne va pas faire ça. Donc, ça veut dire que cette dette-là, ce n'est pas une dette qui est inquiétante. Hein? Et la preuve de ça, le pays le plus endetté au monde, hein, quel est-il le pays le plus endetté au monde? C'est le Japon. C'est ça, le Japon exactement. Alors, comment ça se fait qu'on ne s'inquiète pas tant que ça de la dette au Japon? Parce que la dette japonaise appartient à un niveau très, très élevé aux Japonais. Hein? Et ce n'est pas les Japonais qui vont demander d'être remboursés comme ça de leur dette tout de suite. Donc, ce pays réussit quand même à vivre une certaine stabilité malgré un endettement qui serait extrêmement inquiétant s'il en était autrement.
Donc, si la dette est extérieure, hein, et c'est le cas de la Grèce, c'est un des fichus problèmes de la Grèce, la dette de la Grèce est quasiment extérieure, ben, ça fait que ça, c'est une dette casino, si vous voulez, où les gens ont parfois même intérêt à ce qu'il arrive des malheurs hein, à la Grèce, parce qu'au niveau de la spéculation, ils se font de l'argent avec ça. Par exemple, si j'achète un produit financier qui s'appelle un swap, une espèce d'assurance, hein, mon assurance va prendre plus de valeur dans la mesure où l'insécurité est plus grande en Grèce. Parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin d'une assurance au cas si je perdais de l'argent. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant que lorsqu'on ne maîtrise pas notre dette. Je n'ai pas de statistiques récentes là-dessus. Je me souviens que j'avais demandé il y a quelques années à Gaëtan Breton, un comptable, professeur de comptabilité à l'UQAM, et il m'avait dit que ce n'est pas inquiétant, la dette québécoise appartenait à 80% aux Canadiens et aux Québécois. Donc, notre dette n'est pas une dette dangereuse et inquiétante. Par contre, là, j'ai publié un article sur ce sujet-là dans la revue Ababar, qui a été repris par Le Devoir, et cet article-là a quand même soulevé beaucoup de réactions. Et il y a une journaliste de TVA qui m'a interviewé, et elle, finalement, après une petite recherche, elle a découvert qu'il y aurait 65% de notre dette qui serait à nous. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une baisse marquée de notre dette qui nous appartient moins. Alors, ça, c'est une tendance dangereuse. Si c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier, parce que là, ça veut dire qu'on commence à perdre le contrôle de notre dette, et à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences réelles sur notre économie. Bref, ça, c'est quelque chose qui est à suivre. Alors, qui peut faire cette vérification de la dette? Alors, ça peut être un parti politique, un parti qui est au pouvoir, c'est le cas du Guatemala, donc c'est le gouvernement du président Correa qui a entrepris cette mesure, en faisant venir à l'Équateur des experts étrangers, donc des gens d'un groupe qui s'appelle le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, je sais, le CADTM, avec son président Éric Toussaint qui fait un travail assez formidable là-dessus. Donc, ça peut être un parti politique au pouvoir, ça peut être le mouvement social, tout simplement, donc des syndicats, des associations, des citoyens qui décident de plonger le nez là-dedans. On a quand même plusieurs documents accessibles au Québec. On a, par exemple, un document qui s'appelle « Les comptes publics du gouvernement du Québec ». Je ne sais pas si il y a une de fouiller là-dedans un peu. C'est pas très sexy, c'est plutôt rébarbatif. Mais quand même, ça peut être un point de départ. Donc, il y a des possibilités intéressantes. Donc, beaucoup de données disponibles, un travail technique colossal à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant, qui doit se faire, évidemment, avec des experts, mais qui doit aussi être digéré pour être transmis à l'ensemble de la population pour qu'on comprenne ce dont il s'agit. Alors, donc, c'est un défi très, très important pour nous, hein, qui est d'examiner notre dette, de la comprendre, de façon à ne pas nous faire avoir, de façon à ne pas nous faire leurrer, hein, et de façon à ne pas nous priver de toutes sortes de choses qui sont essentielles pour rembourser des débiteurs qui, eux, vont se faire la passe, comme on disait Québécois, eux vont accumuler des fortunes pendant que tout le monde se prive. Donc ça, c'est pas normal, c'est pas ça qu'on veut, et pour ne pas arriver à ça, bien, il faut mieux comprendre notre dette. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Vladimir de Thésier, membre du Conseil d'administration des intellectuels de la souveraineté. Ma question, c'est est-ce qu'un gouvernement pourrait adopter dans sa constitution une loi qui dit que la dette peut être uniquement détenue par des institutions et des citoyens du pays, donc ne peut pas être détenue par des étrangers? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Concernant la dette intérieure, la dette extérieure, qu'est-ce qui... fait que on est un peu emprunté au niveau intérieur, au niveau extérieur. Qu'est-ce qui explique qu'un choix est fait d'emprunter vers les citoyens plutôt que vers l'étranger? Moi, je pense qu'il peut y avoir des politiques étatiques qui peuvent permettre d'encourager que la dette appartienne. Donc, on lance des obligations et aussi on s'arrange pour limiter, si vous voulez, les achats de
la titrisation de la dette. Je ne sais pas trop dans quelle mesure les partis qui sont au pouvoir ont un pouvoir là-dessus, mais je pense qu'ils en ont quand même un pouvoir certain, puisque un pays comme le Japon, c'est clair qu'il y a une espèce de volonté politique, mais aussi une volonté politique d'encourager l'épargne. C'est très clair que dans les valeurs japonaises, la question de l'épargne est quelque chose qui est extrêmement importante. Donc, comme l'épargne, elle est très abondante, ben, ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur les marchés étrangers l'argent en question. Alors, comme ici, les Québécois sont très endettés, c'est peut-être un petit peu plus difficile, c'est peut-être quelque chose qui explique le fait qu'on ait plus besoin d'aller chercher de l'argent à l'étranger par rapport à la dette. Donc, je pense qu'il peut y avoir des politiques qui peuvent très bien encourager que l'épargne, finalement, puisse nourrir la dette. C'est ça. C'est peut-être simple et naïf, mais c'est quoi le statut légal du FMI, la Banque mondiale? À propos du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, alors ça, c'est deux organisations qui ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer une espèce de stabilité économique au lendemain de la guerre mondiale. Alors, finalement, c'était des institutions qui étaient très centrées sur la reconstruction de l'Europe. Vous comprenez qu'après quelques années, ces deux grandes organisations avaient, finalement, quand l'Europe s'est très bien reconstruite, sont cherchées une nouvelle vocation. Hein, et ils l'ont trouvé justement, dans les années 80, où on leur a donné le mandat, justement, de répondre aux questions de la dette. Alors, ces deux organisations sont extrêmement prestigieuses, sont reliées à l'ONU, mais elles ont des politiques très, très indépendantes. C'est très clair qu'elles ont du pouvoir dans la mesure où on leur en donne. Hein? Et c'est ça qui est un petit peu décevant à partir du G20 de 2009 à Londres. C'est ce qu'on a décidé de faire. Hein? Cette organisation qui allait très mal, le FMI, eh bien, on lui a donné des liquidités, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Et à partir de ce moment-là, elle est redevenue extrêmement puissante et elle pratique exactement les mêmes politiques. Même si dernièrement, là, ça s'est passé un petit peu avant Noël, le président, c'est-à-dire l'économiste en chef du Fonds monétaire international, ben, il a dit que finalement, les plans d'austérité, c'était pas une si bonne idée. Puis finalement, ça marche pas. Bon, semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment rien qui peut changer. J'aimerais ça vous entendre un peu. On a entendu parler de la Banque du Sud dernièrement. Est-ce que ça change un peu la donne au niveau international? Parce que je pense à des pays comme Cuba, où ils ont de la misère à avoir de l'argent, à emprunter de l'argent, mais qu'avec la Banque du Sud, ça peut permettre d'emprunter de l'argent d'une manière différente. Je voulais savoir si c'était vrai. Quant à la Banque du Sud, ce n'est pas un dossier que je connais tellement, mais c'est très clair, ce que je sais de la Banque du Sud, c'est que c'est très clair que ça a été établi justement pour trouver un moyen aux États de se financer sans, en évitant la Banque mondiale, en évitant le Fonds monétaire international et en évitant les prêts conditionnels. Hein, ces pays se sont dit, oui, il faut trouver notre propre système de financement qui correspond à nos propres besoins et qui n'étouffera pas notre économie et qui va nous permettre de faire des choix politiques qui sont les nôtres. Hein. Dans quelle mesure la Banque du Sud est active? Non, alors peut-être qu'il y a des gens qui en savent plus que moi là-dessus, mais c'est quand même une initiative extrêmement intéressante à ce niveau-là. Mais... Oui, merci M. Vaillancourt. Alors, on va passer maintenant à Mme Couturier. Je lui cède la parole. Alors, bonjour. Moi, je vais avoir un PowerPoint derrière moi. Alors, voilà, je m'appelle Émilie Couturier, je suis chercheure à l'IRIS. J'ai travaillé sur la dette et l'endettement, mais ce ne sont pas mes sujets d'expertise particulièrement. J'ai plus travaillé sur les inégalités entre les riches et les pauvres, mais je connais quand même la question de la dette. Ça me fait plaisir de vous faire une présentation, mais ne vous attendez pas à voir McGill en jupon. Donc, pour commencer la présentation, j'ai un petit plan de ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par parler de pourquoi est-ce qu'on parle de la dette publique. Ensuite, on va aller à qu'est-ce que la dette publique, pour continuer avec est-ce qu'on devrait faire quelque chose et terminer avec quelques alternatives possibles. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on parle de la dette? Justement, mon collègue parlait du compteur de la dette de l'IEDM, alors moi je vous le reproduis en arrière. La dette est un sujet qui est vraiment récurrent. C'est un sujet qui est ramené dans l'espace public par plusieurs groupes, notamment de droite, mais pas seulement de droite.
c'est une obsession qu'on a. Alors, il y a l'IEDM qui nous font des calculs farfelus et qui nous donne un beau compteur. J'aurais voulu vous le faire en compteur live qui tourne parce que c'est vraiment impressionnant. Mais là, je voulais juste montrer. À cet après-midi, on était rendu à ce montant-là. C'est-à-dire 253 958 190 222 75 sous. Et ça augmente à 22,9 millions de dollars par jour. Donc, de quoi donner des cauchemars. Et ça, c'est pas seulement des instituts économiques ou des gens qui parlent de l'économie qui vont parler. C'est aussi, je vais vous montrer une belle caricature pour vous dire que c'est quelque chose qu'on met dans l'espace public, que les gens s'approprient beaucoup. C'est beaucoup associé justement à l'endettement personnel. Alors, nous, on se sent mal quand on a des dettes, on peut tomber en faillite. Quand on tombe en faillite, on perd notre maison, on peut avoir des gros problèmes, c'est compliqué, on perd nos cartes de crédit. Et donc, quand on entend parler de la dette de l'État, ça nous touche. Et avec tous les commentateurs dans les médias, dans les éditoriaux qui nous en parlent et qui nous disent que ça devrait nous préoccuper, mais ça devrait, on finit par y croire. Donc, c'est partie de notre imaginaire. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que je vous l'ai dit tantôt, j'ai travaillé beaucoup sur la question d'Hydro-Québec et sur l'histoire d'Hydro-Québec à partir de l'électricité à partir des années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et en faisant mes recherches, en lisant des vieux journaux, en lisant des microfilms et tout, je suis tombée sur plein d'articles dans les années 30, 40, 50, 60 qui parlaient de la dette du Québec comme un facteur limitatif sur les projets de société qu'on peut mettre en place. Donc, c'est faux de penser que la dette est un problème qui est récent, que tout d'un coup, on s'est rendu à un niveau qui est tellement élevé que maintenant, il faut se poser la question. De tout temps, des acteurs, j'ai envie de dire de droite, utilisent cet argument-là pour limiter les projets progressistes. Donc, ils disent toujours, non, mais l'État ne peut pas être, au départ, cet État ne peut pas être endetté, donc toute dette est mal. Ensuite, chaque nouvelle étape qu'on traversait à 25%, 50%, c'était toujours des limites qu'il ne fallait jamais dépasser parce qu'après, ça serait l'apocalypse économique. Alors, on est encore dans ce même mouvement-là et c'est quelque chose que j'observe beaucoup, c'est qu'on finit par oublier ces tensions sociales-là qui ont habité, qui ont populé ces débats-là jadis et on a toujours l'impression que c'est la première fois qu'on a ce débat-là. C'est un enjeu qui est récurrent et sauf que c'est vrai que récemment, on a eu un nouveau discours économique, une nouvelle façon de voir l'État. On a décidé que l'État devait être une personne responsable, d'avoir un budget balancé, c'était très important. Le réalisme d'un gouvernement était quelque chose de vital. Dans les campagnes politiques, tous les partis ou presque viennent avec des promesses de budget équilibrées, avec un équilibre le plus rapide possible, avec des surplus. Il faut payer la dette, il faut inventer des débits comme le Fonds des générations pour pouvoir payer la dette encore plus vite. Donc, c'est quand même quelque chose qui traverse pas mal le courant politique. Et le rôle du gouvernement finit par changer d'acteur politique et social qui essaie d'être un acteur de changement, qui essaie de mettre des nouvelles politiques. C'est plutôt une vision gestionnaire de l'État. Donc, c'est important de se rappeler que tous les débats et tous les discours qu'on a sur la dette, c'est un discours qu'on a aussi sur l'État et la manière qu'on a de voir l'État. Donc, j'avais envie de vous parler des différents types de dettes. Parce que ça, c'est aussi une chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on a des débats sur la dette et sur l'endettement public, bien plusieurs commentateurs vont utiliser plusieurs définitions de la dette, les comparer des fois entre elles de manière un peu fallacieuse, parfois par méconnaissance, parfois par mauvaise foi. Et bien c'est important de connaître un peu qu'est-ce qu'il y a dans une dette, justement. Mais en disant ça, je ne fais pas tout l'audit de la dette dont on nous a parlé un peu plus tôt, mais quand même. Il y a la dette brute, et la dette brute, c'est l'ensemble des engagements financiers, tous les emprunts, donc tout l'argent qui est emprunté, peu importe pourquoi, peu importe qu'est-ce qu'il y a en arrière. Mais ça donne une importance à des transactions qui pourraient être neutres, parce que les achats qu'on fait, les dettes sont parfois associées à des actifs, et les actifs, ça nous donne une valeur qui devrait, à mon avis, être prise en compte dans la dette. Alors, c'est là qu'on va parler de dette nette. Alors, on prend les engagements financiers, on enlève les actifs, donc par exemple, les bâtiments, les routes, tout ce qu'on pourrait vendre, tout ce qui a une valeur, donc ces choses-là qui ont une valeur, ils ne font pas partie de la dette. Il y a l'argent qu'on investit pour les avoir et il y a la valeur de ces choses.
Et par exemple, si on prend la dette avec la dette des services publics, et donc on pourrait rajouter à la dette, et plusieurs commentateurs le font, rajouter à la dette du Québec, la dette du Québec, des universités, des municipalités, etc. Alors on rajoute tout ça. Alors, si on prend la dette, par exemple, d'Hydro-Québec, on parle juste d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, bien, il y a une dette qui est associée à ça, mais il y a des actifs qui sont très, très, très importants. Il y a les barrages, il y a le fait qu'ils vendent de l'électricité. Alors, si on vendait Hydro-Québec, on ferait beaucoup d'argent, mais elle possède une dette en même temps. Donc, il faut faire l'équilibre entre les deux. Donc, j'ai derrière moi une comparaison du niveau de la dette. C'est une comparaison internationale qui date de 2008, donc avant la crise. C'est simplement pour vous montrer. Alors, on voit plusieurs pays et des pourcentages qui varient de 89,6% à 41,9%, 41,9% étant la moyenne de l'OCDE. Et là, va apparaître le Québec. Avant la crise économique, le Québec se situait dans une position appréciable et enviable par rapport aux pays de l'OCDE. Alors que une bonne partie des pays se retrouvent avec une dette en proportion du PIB qui est quand même assez élevée, le Québec se retrouve en bas de l'OCDE. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être sauté une étape parce que pourquoi est-ce qu'on parle de la dette en fonction du PIB et non pas la dette globale en fonction du montant lui-même? Bien, parce qu'un État, ce n'est pas un ménage, ce n'est pas une personne qui a des revenus qui sont limités. Et qu'en regardant en comparaison avec le PIB, on est capable de faire une comparaison avec la force de l'économie. Ce n'est pas une mesure qui est parfaite. Il y a quand même des problèmes, mais ça nous donne quand même une idée pour dire que l'économie, elle est très grande, et bien on a aussi des dettes qui sont en proportion de notre économie très grande ou très faible. Donc, comme on l'a dit tantôt et comme on va le voir aussi, le Japon a une dette publique qui est très, très élevée, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème au même titre que la Grèce ou que d'autres pays qui ont des problèmes de solvabilité, mais c'est quand même un indicateur qui nous permet de faire des comparaisons. Si on regarde aussi la comparaison avec le déficit, parce que d'un côté, oui, il y a la dette, mais la dette va augmenter en fonction aussi des déficits des budgets. Donc, c'est aussi la volonté très forte des pays d'avoir des budgets qui sont balancés. Et le Québec était très, très, très fort sur l'idée que son budget devait être balancé le plus rapidement possible à l'issue de la crise économique de 2008. Donc, maintenant, on a le déficit pour 2010. Encore là, plusieurs pays, on a même mis l'Ontario, les États-Unis, la moyenne de l'OCDE. Et le Québec, qui était si pressé d'avoir l'équilibre budgétaire, avait un déficit du PIB de seulement 1,5%. Donc, ça met un peu en perspective cette course effrénée au déficit zéro quand on se dit que D'autres pays qui avaient des problèmes économiques ou pas, je veux dire l'Allemagne, c'est un des exemples des pays où on dit que la crise a moins touché. Donc voilà, donc le Québec était en bonne position. J'ai fait une autre comparaison avec plus récente et dans le temps pour voir un peu de quoi ça avait l'air. Donc cette fois-ci, on prend la dette qui comprend l'ensemble, la dette brute avec les services publics, avec une comparaison internationale, avec le Japon qui est ici et qui avec un déficit à 205,3% pour donner une ordre de grandeur. Le Canada, quant à lui, est à 83,4% et le Québec est à 74,5%. Donc, encore là, on met les choses en perspective. Le Québec n'est pas dans une situation catastrophique, n'est pas dans une situation particulièrement catastrophique comparée à ailleurs. Mais quelque chose qui est intéressant, par exemple, quand on parle de la dette publique, bien, c'est qu'on oublie aussi, dans un certain côté, la dette privée. Alors, tantôt, je disais, la dette publique, c'est pas la même chose que la dette privée. On ne peut pas gérer sa dette publique de la même manière que sa dette privée. Mais en même temps, il y a un lien avec l'augmentation de l'endettement et l'obsession sur l'endettement public et ce qui se passe avec l'endettement privé présentement. Donc, derrière moi, on a un graphique qui montre l'augmentation de l'endettement privé de 1982 à 2012. Donc, c'est un graphique qui vient des données de Desjardins. Et la ligne pointillée, c'est le Canada, la ligne pleine, c'est le Québec. Et on peut voir qu'il y a une augmentation qui est vraiment très importante à partir du début des années 2000 et qui continue et qui augmente. Et à chaque année, on a l'impression d'arriver à un sommet record, année après année. Donc,
L'endettement privé est un sujet qui est beaucoup moins dans l'espace public. Il est un petit peu plus étancé, mais quand même. Alors que l'endettement public, c'est un gros scandale. Et pendant ce temps-là, ben, les ménages s'endettent, et on essaie d'aller à l'équilibre budgétaire pour le public. Mais ce qui est intéressant de regarder, en plus de l'augmentation de l'endettement des ménages privés, c'est l'augmentation de l'endettement des entreprises. Comme on peut voir, les entreprises ont, le graphique part de 1980 puis va jusqu'en 2010, les entreprises ont vraiment toujours eu beaucoup plus de crédit que les ménages privés, mais ça a changé à la crise de 2008, où pour sortir de la crise économique, les ménages privés se sont mis à emprunter plus parce qu'il faut consommer, et les entreprises, elles, ont décidé de plutôt faire des économies et essayer de limiter leur crédit. Donc, alors que dans les crises précédentes, les entreprises privées vont investir plus pour essayer de contrer la crise, cette fois-ci, c'est pas ça qui s'est passé. Et ben, ça a un impact sur l'endettement de l'État également, puisqu'on se retrouve avec une situation qui est complètement déséquilibrée dans la société. Et cette déséquilibre-là rentre dans la financiarisation, et lorsqu'on parle de la dette, il faut parler aussi de la financiarisation, puisque, comme mon collègue le mentionnait tantôt, les titres de dette vont beaucoup sur les marchés financiers, et on se retrouve avec un déséquilibre entre l'argent réel et l'argent spéculé, et qui est de plus en plus grand. Comme on peut le voir dans mon graphique, où la ligne blanche, c'est les actifs liquides, donc les actifs qui sont pas associés à c'est juste comme de l'argent spéculé, de l'argent qui est un peu inventé, alors que la ligne grise, c'est les investissements des entreprises non financières, donc les entreprises qui font des choses et qui donnent des services. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une grande différence entre les deux et que l'économie devient de plus en plus virtuelle. J'ai fait un gros détour, mais c'est parce que je pense vraiment que c'est important de ne pas oublier que la dette publique est un outil politique un outil politique de transformation sociale qui masque certaines réalités et qui est utilisé souvent de manière à nous dire qu'on n'a pas le choix. Alors, c'est un peu inéluctable. La situation économique, on la contrôle pas et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais derrière cette situation économique qui est inéluctable, il y a tout un mécanisme de financiarisation de l'économie qui change un peu notre lien à l'économie. Et il y a toute cette pression à la consommation, donc à l'endettement, qui participe à l'économie financière, qui participe aussi à ce changement de logique économique, qui participe à l'endettement des États. Mais si on dit qu'il y a un problème, un déséquilibre entre les revenus et les dépenses des États, est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais il existe plusieurs marges de manœuvre possibles. Les particuliers, on a publié une note récemment sur le sujet de la fiscalité des particuliers, et on voyait qu'il y avait une certaine marge de manœuvre qui était encore possible à aller chercher avec la fiscalité des particuliers. Et non seulement dans la fiscalité théorique, mais dans la fiscalité pratique, lorsqu'on regarde quand les plus riches mettent à notre disposition leur rapport d'impôt, on voit que leur taux effectif de taxes qu'ils payent est beaucoup, beaucoup plus bas que ce que vous et moi, on peut payer sur notre rapport d'impôt. Ensuite, il y a dans les entreprises aussi une manière d'aller chercher plus d'argent, par exemple avec la taxe sur le capital, pour les entreprises financières qui ne sont taxées sur presque rien puisqu'ils ne produisent rien sauf de l'argent. Donc, la taxe sur le capital, ça irait chercher de l'argent lorsqu'on fait de la spéculation, lorsque l'économie est plus financiarisée. En gros, il existe plusieurs manières d'aller chercher des revenus supplémentaires et qui permettrait de dégager un certain marge de manœuvre, mais bien plus que dégager une marge de manœuvre, c'est toute notre conception de l'État qu'il va falloir ramener à sortir d'un État gestionnaire et ramener à un État qui est plus politique et social et qui travaille pour la population et non pas pour rembourser les dettes à des entreprises financières.
Monsieur. Oui, Andrés Montesquina. Moi, j'aimerais vous entendre plus sur la finalité du discours sur la dette. Madame Couturier a parlé tantôt d'un outil idéologique. Ce que j'en comprends, c'est que ça vise fondamentalement à réduire les moyens d'État, à baisser les taux d'imposition et à donner une plus large place à l'entreprise privée, donc augmenter les taux de profit au détriment des intérêts collectifs. Mais je voudrais vous entendre sur la finalité de ces discours-là. Pour ce qui est de la finalité de la dette, je ne pense pas que toute dette contractée participe nécessairement au mécanisme d'endettement de l'État qui vise à réduire le pouvoir de l'État et de transformer l'État de service politique et social à État gestionnaire. Mais on se retrouve souvent dans une logique s'enclenche qui fait que les États, effectivement, dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, c'est que dès qu'ils ont vu qu'il y avait un surplus, plutôt que d'essayer de le réinvestir dans la société, ils ont plutôt préféré couper les taxes. Et là, ils ont trouvé qu'il va y avoir un trou budgétaire. Alors, pour essayer de pallier au trou budgétaire, ils vont couper les taxes pour essayer de stimuler l'économie. Donc, quand l'économie est stimulée, on les coupe pour donner un bonus à tout le monde. Et quand l'économie manque de stimulation, on les coupe aussi. Donc, il me semble qu'il y a déjà là un problème si la même solution s'applique à deux problèmes qui sont diamétralement opposés. C'est clair que la dette, je pense qu'il faut la rembourser. On ne dit pas qu'il ne faut pas la rembourser. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas justement qu'on s'en serve comme épouvantail. Et c'est extrêmement efficace, c'est ça que je disais dans mon exposé. Et là, je vous renvoie à un excellent livre, c'est « La théorie du choc » de Naomi Klein, hein, qui montre très bien qu'il s'agit de créer une crise. Hein, et la dette, c'est vraiment une crise. Et à ce moment-là, ça met les États vraiment à la merci des solutions les plus radicales qu'on n'ose pas faire autrement. Alors, on a pu voir qu'il y a eu une espèce d'accélération dans les privatisations, dans les mesures d'austérité là, au lendemain de la crise de 2008, qui a fait augmenter la dette. Et regardez où ça, ce qu'on va prendre comme mesure, ce n'est pas des mesures qui vont régler le problème, c'est des mesures qui vont vraiment priver les citoyens de services, de choses qui sont fondamentales, et ça ne marche pas, et ça ne fait que perpétuer la crise. Et dans cet état perpétuel de crise, ben, y a des gens qui s'enrichissent, et c'est quelque chose, une espèce de logique à laquelle il faut vraiment mettre fin. Hein? Dans une situation de crise, qu'est-ce qu'on dit aussi? Il faut plus de libre-échange, alors que le libre-échange, c'est de la déréglementation, puis ça accentue le problème. Donc, ça nous met vraiment à genoux, littéralement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ça. C'est pour ça que je pense que la solution qui est prônée par ATAP, d'examiner la dette, ça nous permet au moins d'argumenter, de se défendre contre ça. J'apprécie beaucoup le fait qu'on essaie de préciser la dette étrangère et la dette interne. C'est très important, évidemment, quand on parle de devises. C'est la question des devises. La question aussi, il n'y a pas que la spéculation, ça va oublier l'inflation, et la spéculation, et aussi la machine imprimée des billets. Tout ce que je dis actuellement, il y avait 85 ou 89 milliards par mois en argent acheté par les trésors. Ça, ça veut dire qu'il imprime de l'argent. Je fais baisser l'argent américain. Puis tout le monde a une course qui frappe. Ici, au Canada, on a des effets de ça, parce qu'on essaie de suivre les États-Unis. Vous savez ce qu'elle a bien interdit, le fait de l'évaluation des monnaies. Pour ce qui est précisément de la dette et de l'impression de l'argent, c'est dans les normes internationales qu'un État ne peut pas imprimer de l'argent pour rembourser sa dette. Si elle imprime de l'argent, elle doit la donner aux banques et les banques vont prêter l'argent dans leur économie et c'est comme ça qu'on réinjecte de l'argent nouvellement imprimé dans l'économie. Bien entendu, un pays peut dire tant pis pour les normes internationales, moi je fais ce que je veux, donc j'imprime ma propre dette. Mon argent pour rembourser ma propre dette, mais dans les normes internationales, un État qui veut avoir plus d'argent va plutôt émettre des obligations, et là on rentre dans la spéculation, parce que les obligations pourraient être titrisées, et ensuite il va y avoir la spéculation avec ça. Les taux d'intérêt selon l'offre et la demande, selon la solidité de l'économie, selon ce qu'on pense qu'on est capable de rembourser ou non, là, on rentre dans une autre question qui est un peu plus importante. Alors la question de l'inflation, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Hein? Parce que c'est clair que dans le passé, lorsque l'État était très endetté, qu'est-ce qu'il faisait? Il dévaluait sa monnaie. Hein? Là, c'était une période assez dure, mais qu'est-ce qui se passait quand la monnaie était dévaluée? Ben, la dette fondait là comme un banc de neige au soleil. Hein? Alors, il n'y en avait plus de dette, après ça, on recommençait. C'est sûr que
c'est pas une solution idéale, mais c'est quand même une solution qui donne un certain résultat. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est le pire des maux qu'on peut imaginer à l'économie. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont accumulé de l'argent, là, qui ont de l'argent qui dort dans les comptes en banque, ben cet argent-là baisse. Donc, il n'est absolument pas question et interdit qu'on ait recours à injecter de la monnaie dans l'économie, qu'on la planche à billets, ce qui a un effet sur l'inflation, ce qui fait diminuer la dette. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pays qui l'a fait récemment. Hein? Ce pays-là, c'est l'Islande. Hein? L'Islande a vraiment fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. D'abord, ils ont consulté la population pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans la dette. Et ça, c'est grave. Ensuite, la population a dit non. Hein? On ne remboursera pas les banques. On ne leur donnera pas de l'argent. Qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent faillite, c'est pas grave. Hein? Et aussi, une des solutions qui a été prise par le gouvernement d'Islande, c'est aussi quand même planche à billets, inflation. Pendant ce temps-là, la dette a diminué, l'économie est relancée, ça va beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas avoir une peur panique de l'inflation. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, mais quand même, c'est une solution. On devrait peut-être l'avoir aussi dans notre carte, cette solution-là. Et le problème, évidemment, avec l'Union monétaire européenne, l'euro, c'est que là, c'est rendu carrément impossible. On ne peut plus le faire hein, pour des raisons qui sont assez compliquées. Est-ce que vous pensez que l'histoire de la population va avoir vraiment un impact sur la dette publique ou c'est un autre épouvantail pour nous? Nous, à l'IRIS, on a fait un colloque sur le vieillissement de la population et le poids sur les finances publiques il y a 2 ans déjà. Et ce qu'on voyait, entre autres, c'était que si on prend, par exemple, l'ensemble des travailleurs actifs et qui sont inactifs, dans les années 70-80, il y avait exactement le même taux que le taux qu'on va avoir dans 10-20 ans. Donc, on n'est pas du tout dans un crash, dans un mur générationnel qui s'en vient à grands pas. Ça va plus vers quelque chose de un retour, quelque chose qui est plus une vague de vieillissement de la population, une vague de génération. L'autre détail qui est vraiment intéressant, c'est sur les heures travaillées. Bon, encore là, on prend l'ensemble des heures travaillées dans la société pour tout le monde et on compare avec, on prend sur l'ensemble des heures travaillées. Les heures travaillées augmentent. Et si on prend les heures travaillées sur les personnes inactives, le ratio augmente également, dans le sens qu'on travaille de plus en plus pour des personnes qui sont dépendantes. Donc, je ne sais pas si c'est clair, avec un graphique, c'est déjà un peu plus facile à voir, mais à cause que, entre autres, l'arrivée des femmes sur le marché du travail, on travaille beaucoup plus maintenant par rapport aux personnes qui ne travaillent pas. Donc, les personnes vont vieillissantes, les personnes âgées vont finir par aller à la retraite. Il va y avoir quand même plus d'heures travaillées par personne à la retraite dans les 20 prochaines années parce qu'on travaille de plus en plus comme société. Donc, pour moi, le mur, le fiscal cliff générationnel me semble être un peu un épouvantail agité, entre autres, qui permet de braquer un peu les générations les unes contre les autres. En tant que jeune, je ne déteste pas les baby boomers, je n'ai aucun problème avec la génération X, je n'ai pas de problème non plus avec la génération Y dont je ne fais partie ou je ne fais pas partie dépendamment des statistiques. Je ne veux pas être plus jeune non plus. Je ne vois pas ce conflit générationnel qu'on essaye de nous rentrer dans la gorge depuis de nombreuses années. Dernier quoi à ceux qui vont rétorquer que la taxe sur le capital, le coût de la taxe sur le capital est souvent refilé aux clients ou aux employés de la banque? Pour ce qui est du coût de la taxe qui est refilé aux consommateurs, ça c'est extrêmement intéressant aussi. Ça c'est un autre chantage. Hein? Dès qu'on fait payer les entreprises, on va leur dire on va augmenter l'impôt des entreprises, oui, mais ils vont tout augmenter. Hein? On va augmenter la taxe sur le capital, oui, ils vont nous refiler ça à nous, les consommateurs. Donc, d'une part, ils nous disent ça, dès qu'on touche une entreprise, c'est sûr qu'ils vont mettre ça sur nous, puis c'est nous qui allons finir par payer. Mais en même temps, ils disent que la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. En fait, le consommateur va toujours payer le prix qu'il est prêt à payer, hein, et que le prix, c'est toujours une espèce de compromis idéal hein, entre l'acheteur et le vendeur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il y a la loi de l'offre et de la demande, s'ils nous chargent des tarifs qui n'ont pas de bon sens, bien, on pourrait se révolter et dire non, faites pas ça.
Hein? Et ça, c'est un argument qui est toujours sorti. Nous, à TAC, on défend aussi l'idée de la taxe des transactions financières. Hein, la taxe des transactions financières, ça touche qui? Ça touche les spéculateurs. Un point, c'est tout. Hein? Et qu'est-ce qui nous sort comme argument? S'il y a cette taxe-là, les banques vont augmenter leurs tarifs. Ben non, ça n'a pas rapport. Hein? C'est deux choses complètement différentes. C'est des spéculateurs. Les spéculateurs n'ont rien à me vendre. Hein? Donc, il faut vraiment faire attention avec cet argument-là. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein? Commençons par les faire payer. Après ça, on verra. Puis je vous gage que les augmentations sont bien moins grandes que celles qui vont dire que finalement, on va être gagnant, somme toute. Je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui meurt à chaque fois que je pense que les entreprises financières vont transférer le coût de la taxe sur le capital sur le consommateur quand je vois leur profit année après année qui est si important. Et ces profits-là qui sont si importants, j'ai pas mal l'impression que pour la plupart des utilisateurs des différentes banques, ils ne reçoivent pas. Ils ne voient pas de différence dans la manière que la banque est gérée parce que la banque fait plus de profit. Les taux d'intérêt ne sont pas augmentés, les frais bancaires ne sont pas réduits. Il y a seulement avec la Caisse Desjardins que dans les ristournes, il y a des effets. Si vous êtes plus vous êtes endetté, plus vous allez voir l'effet de votre ristourne. Mais à part ça, puis encore là, il y aurait une grande critique à faire sur le mouvement Desjardins qui n'est pas une banque, mais qui est également très une banque. Mais la taxe sur le capital, je serais vraiment insultée qu'on mette une taxe sur le capital et que ça soit refilé aux consommateurs. Maintenant, ils vont le faire, ils vont peut-être le faire pareil. Peut-être qu'on aurait besoin d'une commission comme la Régie de l'énergie qui gère comment fonctionnent les grandes entreprises en énergie. Peut-être qu'on a besoin d'une régie des banques qui place des balises comme quoi que lorsque les profits sont élevés de telle manière, il y a un mécanisme qui empêche les entreprises financières de refiler des coûts d'exploitation plus élevés en fonction des décisions politiques. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose là. Mais l'autre chose qui est intéressante avec les entreprises, c'est, tant qu'à parler de menaces d'entreprises, les entreprises nous menacent de fermer la porte ou de diminuer leurs investissements si on augmente les impôts parce qu'ils n'auront plus d'argent pour investir et de remplacer leur machine. Mais ce qui est intéressant, le Centre canadien de politique alternative a fait une étude là-dessus, a regardé l'effet des baisses d'impôts qui ont été accordées aux entreprises dans les dernières années. Et ce qu'on a vu, ce n'est pas une augmentation de l'investissement, l'innovation qui a accru. Au contraire, c'est une augmentation du coussin financier de ces entreprises-là. Donc, cet argent-là n'a pas été redistribué chez les actionnaires, n'a pas été redistribué en hausse de salaire, n'a pas été redistribué en investissement, a été redistribué dans un fonds, dans un compte qui accumule de l'argent et qui peut servir à financer... faire de la spéculation. Donc, la menace des entreprises, c'est toujours d'un côté et il nous manque un petit retour là, qui fait que je ne sais pas comment faire pour les forcer à être un peu plus conséquents avec eux-mêmes, mais ça s'appelle pas mal de la mauvaise foi de leur part. J'apprécie que vous démystifiez qu'est-ce qui est des épouvantails et qu'est-ce qui sont plus des menaces réelles, mais j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la santé qui est pointée comme un genre de trou noir à budget qui va devenir de pire en pire avec le temps. Donc, est-ce que c'est vraiment une menace réelle ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire avec ça? Alors, la question de la santé, c'est une question notamment aussi très importante. Si je ne suis pas un spécialiste de la santé, là, je vous le dis tout de suite, mais d'après mes connaissances, le budget de la santé, proportionnellement, n'a pas augmenté. Donc, c'est pas vraiment vrai que ça coûte plus cher la santé maintenant, toujours proportionnellement là, au PIB. Par contre, ce qui est vraiment inflationniste dans le domaine de la santé, c'est les médicaments. Hein? Et ça, actuellement, il n'y a pas vraiment de politique pour réduire le coût toujours plus haut, plus élevé des médicaments. Et je dirais même que le gouvernement du Québec actuellement en complicité avec le gouvernement du Canada, à travers l'accord économique et commercial qui est négocié avec l'Europe, hein, on va favoriser les compagnies qui produisent des médicaments de marque. Donc, il va y avoir une augmentation marquée du point de vue du coût des médicaments. Hein, donc, une augmentation du budget de la santé. Je pense que Québec solidaire a tout à fait la meilleure solution, à mon avis, c'est-à-dire
faire d'avoir un contrôle public sur les médicaments. Et je pense que ça, c'est vraiment une occasion très, très efficace de faire baisser considérablement les prix de la santé et donc de faire baisser le prix de la dette. Alors, je pense que cette solution-là me semble peut-être la meilleure dans le domaine de la santé. Oui, il y a les médicaments, il y a l'option d'avoir un outil collectif étatique comme Pharma-Québec qui va faire la promotion de génériques par des médicaments, puis les acheter en gros et tout, qui va faire descendre la facture de la santé. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants dans les coûts de la santé. Je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le monde universitaire où il y a eu des budgets de mobilisation qui ont été très importants pour la construction de nouveaux campus, des projets en PPP qui ont vu leur coût exploser. On dirait qu'il se passe la même chose en santé présentement. Les PPP, on pense que ça nous permet de faire des économies, mais finalement, ça nous permet de faire plus de dépenses, des dépenses pour lesquelles on n'a pas nécessairement les moyens. Donc, il y a cette tendance-là. Il y a la gouvernance en santé aussi qui fait que présentement, on fait juste ajouter des couches de bureaucratie les unes par-dessus les autres pour gérer notre système de santé plutôt que d'essayer de trouver le moyen le plus efficace de le faire. Parce que oui, on peut être à gauche et trouver qu'il y a trop de bureaucratie dans le monde. Et la santé est vraiment un endroit où est-ce qu'il y a une multiplication de cadres et une diminution quand même importante de gens de première ligne qui font le travail. Donc, il y a peut-être une réflexion à penser sur la structure de la santé qui permettrait aussi de réduire les coûts. Mais en général, si on fait juste regarder la santé, est-ce qu'on devrait arrêter d'être malade parce qu'on est en train de ruiner notre province? Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi un épouvantail qu'on agite. Je pense que c'est un épouvantail parce que c'est une question de choix et qu'on peut choisir collectivement que c'est un domaine qui vaut la peine d'investir. Puis on peut faire un choix de couper ailleurs si jamais la santé devient trop importante. Vous pensez quoi du keynésianisme et le fait de constamment emprunter de l'argent, et puis le keynésianisme entraîne aussi une inflation. Et disons qu'une personne épargne de l'argent et puis l'État fait exprès de faire une inflation surélevée, ce ne serait pas un vol de son travail, une taxe cachée par exemple? L'inflation, évidemment, ça a comme conséquence que, oui, si on a de l'argent économisé, si on a des économies, ça se réduit comme une peau de chagrin. Alors c'est sûr que ça a des conséquences. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que les pays du Sud, j'en parlais au départ, les pays du Sud sont trouvés très endettés parce qu'il y a eu, au tournant des années 80, une inflation très, très élevée. Et ce qu'on a voulu faire pour contrer cette inflation élevée, bien, on a mis un taux d'emprunt qui est extrêmement élevé. Alors, ça allait jusqu'à 15-20% lorsqu'on empruntait, et ça a fait que la dette a explosé. Donc, vous voyez, c'est une espèce de chose qu'il faut contrôler. Les taux d'intérêt trop élevés, eh bien, ça fait augmenter la dette. Et une inflation trop élevée, ça fait réduire les économies. Alors, je pense que, évidemment, c'est extrêmement difficile à contrôler, mais il faut voir à quel moment on peut se servir de l'un et de l'autre, de manière à ce que l'ensemble de la population en profite. Je pense que ce que l'Islande a fait, c'est une solution qui est extrêmement efficace et si vous regardez, les Islandais sont très contents de ça. Oui, leur économie a diminué, mais par contre, leur État a tenu le coup. Et souvent, peut-être, les structures de l'État sont plus importantes que les économies de certains individus. Évidemment, ce n'est pas idéal. Je ne dis pas que c'est idéal, mais c'est quand même une solution dont on devrait tenir compte, peut-être, lorsqu'on parle de dette extrêmement élevée et qui n'est absolument pas question. Et c'est une raison pour laquelle, aussi, la situation de la Grèce est une situation extrêmement difficile, extrêmement complexe. Alors, la Grèce ne peut pas jouer, n'a pas le contrôle, est prise avec l'euro. Mais d'un côté, si la Grèce sortait de l'euro, ça ne serait pas drôle non plus. Donc, on se retrouve dans une situation labyrinthique d'une complexité effroyable. Et qui paye pour cette situation? Ben, c'est les Grecs eux-mêmes. Régler la dette, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, la pierre. Alors, dans le mythe de Sisyphe, il dit la seule façon de s'en sortir quand on est face à l'absurde, c'est d'avoir un bon contact avec les gens autour de soi et faire preuve d'humour. Et je me demandais si on ne devrait pas, Iris, la PAC Québec, moi,
ouvrir un organisme de charité, on se promènerait en ville, on prendrait de l'argent pour régler la grève canadienne. J'ai vu qu'à Toronto, des gens l'avaient fait, ils avaient trouvé ça très drôle. Et on prend de l'argent pour régler la dette canadienne, 75% disons va à la dette, 25% pour la gestion, qui nous aide à en parler. En même temps, on est en contact, on fait ça dans le centre-ville de Montréal. Il n'y aurait que du plus à faire ça, là. On fait un genre de Oxfam, dette du Canada ou une dette du Québec. C'est une proposition. La question d'Oxfam, la dette, est-ce qu'on ne pourrait pas chacun payer? C'est bien ça que j'ai compris. Il y aurait une espèce de contribution individuelle au paiement de la dette. Ça, je ne pense pas que ce soit une solution idéale, hein? Parce que, évidemment, ceux à qui l'on doit, souvent, surtout ceux qui capitalisent, ceux qui font des produits financiers avec la dette, c'est, bon, comment je vais dire le mot, des requins. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut encourager. Et je salue le courage du gouvernement de l'Équateur, j'en ai parlé, qui a décidé que c'est à eux, justement, qu'on ne rembourserait pas la dette. Les autres, oui, eux, non. Hein? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien examiner la dette, je le dis, je le répète, pour savoir justement laquelle mérite d'être remboursée, laquelle peut-être, hein, on va y aller avec des pincettes, puis celle-là, on n'en fait pas une priorité. Moi, il y a deux problèmes que je vois avec Oxfam Dette. Le premier, c'est que le poids de la dette en proportion du PIB diminue, bientôt, si on continue dans cette voie-là de diminuer le poids de la dette par rapport au PIB, bien, le poids de la dette va être assez mineur, finalement. Ce ne sera plus le gros problème qu'on a ou qu'on pense avoir, parce que, je le rappelle, je ne pense pas que c'est un gros problème qui nous pèse sur les épaules, donc il y a plus de ça. Et l'autre affaire, c'est que tant qu'avoir de l'argent et de vouloir l'investir pour améliorer la condition de nos concitoyens, je ne pense pas que la dette est vraiment l'endroit prioritaire pour investir son argent. Il existe de nombreux organismes de charité qui aident directement des gens qui sont dans le besoin. Alors, tant qu'à donner de l'argent, j'irais plus pour là. Et la dernière chose que je dirais sur la dette... On a fait... L'autre chose sur la dette, c'est que Louis Guil, qui n'est pas ici, mais qui est notre expert en dette au Québec, faisait remarquer que si on rembourse 1 milliard $ sur la dette demain matin, le retour qu'on va avoir de ce milliard-là va arriver, on va réussir à récupérer ce milliard-là seulement dans 20 ans. Donc, on investit beaucoup d'argent en espérant, en attendant le retour. Donc, payer la dette maintenant parce qu'on trouve que le montant est gros, c'est réduire la capacité de l'État de faire des choix sociaux, économiques et tout dans des domaines plus importants, dans un espoir de plus tard voir la dette réduire, dette qui va avoir réduit de toute manière en proportion du PIB puisque le PIB va avoir augmenté. Maintenant, on peut mettre des bémols sur ça puisque augmenter à l'infini le PIB, c'est-à-dire croissance infinie, puis on peut avoir toute une autre conférence sur ce sujet-là. Mais présentement, dans le modèle économique dans lequel on est, ben, c'est dans cette tendance-là qu'on se dirige. Donc moi, je ne contribuerai pas à Oxfam Dette. Alors, merci à M. Vaillancourt, Mme Couturier. Merci encore d'avoir assisté à cette formation solidaire. Merci, bonne journée.